tous les jours. Sauf toi, et moi parfois. Je comprends pas. La boucle cause des perturbations autono-éthiques et la perte des repères ekphoriques. Une réinitialisation de la mémoire, quoi. T'aurais pu dire une gueule de bois. C'est reparti. Et on est reparti pour un nouvel épisode sur Deathloop. Bienvenue, c'est Belkin. Et cette fois, nous allons suivre la piste des visionnaires de WNJ. Et on se trouve dans le complexe l'après-midi. Oh. Comment ils ont su jeter ? C'est normal. Bon bah, tout le monde est là. C'est un peu lent. Allez, recharge. Ne exagère pas, Colt. Oh, super discrétion zéro, hein. Tu peux nous aider, ça? Ici le docteur WNJ Evans. En tant que directrice des recherches du programme E.O.N., j'ai pour objectif de créer un système thermodynamique hautement interdépendant qui nous permettrait de canaliser la vaste énergie produite par l'anomalie de Blackfeet. Grâce à un process de rétro-ingénierie, j'ai pu recalibrer l'antenne du stabilisateur afin de contenir la puissance de l'anomalie et la rediriger en son cœur. En nous plaçant, moi et les autres visionnaires, au centre du cœur du stabilisateur, j'ai réussi à nous imprégner de l'énergie de l'anomalie. À présent, nous sommes la pierre angulaire. Les visionnaires sont la boucle. Et je peux toujours effectuer des expériences de terrain sur la brèche sans mettre le programme en danger. À moins d'un échec de notre protocole, ce qui serait, disons-le franchement, catastrophique, nous devrions vivre cet état de boucle tous les jours pendant environ 13 572 ans. Merde. Dommage que je mette fin au programme après 50 ans. Ce sera le soir. La brèche sera fermée. Et donc, il n'y aura qu'une d'entre nous. C'est dangereux. D'après nos calculs, toutes les ONG visiteuses retourneront dans leur ligne temporelle et il ne restera qu'une. On ne doit sortir d'ici sous aucun prétexte. La deuxième loi de variation d'Evans, oui, je l'ai écrite. Nous, ONG, si la technologie derrière cette porte est la clé pour créer une brèche stable, il faudra qu'elle y aille. Et il n'en reste qu'une. Voilà, enfin on avance. Mais comment je vais faire venir cette Wenji à la dame? Hmm.
Ok, donc à un moment donné, il n'y aura qu'une même vie. Et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir. Deux bits peut modifier et diffuser des enregistrements. Ce drôle de cyborg est un petit cachotier. Tellement mouillé, oh mon dieu. Il y aura des masses de loups pour tout le monde. Wendy, tu viens de moi tout de suite, putain. Wendy, je t'aime bébé, je te force à toi porter ton masque. Et je t'en fais un spécial. Ah, t'es bien. Tiens. Miss Blake, il me semblait que nous sommes d'accord pour construire un complexe d'horizon à Biham et accéder à notre côté pour aujourd'hui. L'ajustement complexe, on s'est finalement entraîné dans un chercheur. C'est pas une lettre, Angie, tu n'as pas écrit comme ça, une. Bien cordialement, docteur Evans. D'accord, je vais. Pourquoi tu demandais à la fermeture de rentrer ce matin? Tu veux vraiment que Paul puisse y accéder? Bien sûr que non. Ton instant n'appelle pas cet après-midi. Tu te concentres là-dessus, je peux me concentrer sur l'élimination de Paul. Le rack est là depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'il y en a de plus? C'est vrai. On voit demain matin, samedi matin, la première heure de ce cas. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Opération Horizon, hein? J'ai trouvé mon appât, on dirait. Bien, Wenji veut une porte, Alexis veut Wenji, et moi, je veux jouer avec les deux, violemment. Et de Bit veut m'aider, à l'évidence. On mélange tout ça et... fricassé de massacre. Ok. Bon. On avance sur... Requête. Alors... On est parti. Original. C'est toutes des Wenji. Mais l'une d'elles doit bien être la première. Tu sais, celle qui a conduit les autres ici. Je suis là pour tuer, moi. Je m'en tamponne de savoir dans quel ordre. Bel esprit, Colt. Ignorant des gens et des choses. J'ai entendu pire. Oh, tu m'étonnes.
Je meurs. Ouais. Mate. Ouais, pour l'instant. Pourquoi ? Non. Mais c'est quoi ? Tu es. Comment je récupère son équipement ? Oh ! Viens là ! T'as volé ! Bon bah. Adieu le loot. De la bière au chocolat. Nouvelle découverte à beauté, Alexis est très fan de la bière au chocolat. Très intéressant. Il déteste couper en binaire. Alors, cette fois, on va éviter de faire de la merde comme la dernière fois. Chocolat, alors. Puis on tourne la bière en choc. Allez. Ah, on entend. Vous avez du bol qui reste des bouteilles. Vous auriez fini en putain de pâté. Ouh, il est pas content. Monsieur Rictide dans ce livre. Votre série était nulle, mais parce qu'elle était un tel sommet de nullité que je ne peux même pas guesser. Graphique est quasiment nécessaire. Alex qui. Tu as essayé l'opportunité d'avoir toutes ces pécunos en temps de chute tes pattes de loup dans l'ours qui veulent dans la raison de se vénérer. Juliana n'a pas l'air d'avoir apprécié. Ce qui veut dire que je vais. Adorer! Ça, je vais beaucoup me battre. Ma chanson est préférée. Je dois en dire qu'il y a quelque chose que pas grand monde a lu.
4 2 2 1. Ouh, y'a Harriet. Ça sert à rien, tu briseras pas la boucle. Je suis putain de borné. Je suis plus maligne, plus vive. Je me souviens de tout. Je connais tes trucs. Peut-être, mais j'en ai des nouveaux. Impossible. Oh, ce code. Oh, je vais détester ça, pop. Juliana. Chut, bordel. Quand j'ai eu ton message pour l'interview, je me suis dit, ah ouais, merde, mon sujet préféré, moi. Putain, comment je fais pour éteindre cette merde? Ces questions. Non, mais t'es sérieux. Arrête! Mais c'est quoi cette merde? Tu veux que je donne un témoignage? C'est ça? Que je te confie tous mes secrets? Bon, écoute, j'ai une proposition. Tu sais que j'ai eu un petit héritage de quelques millions avant de devenir milliardaire à 21 ans. Je vais te dire comment. Je vais jouer carte sur table. Mon secret, c'est mon attitude. Mon assurance. J'entre dans une pièce et en un seul regard, tout le monde comprend. Ils me doivent tout. Tout le monde dans cette pièce m'appartient. Le programme Aeon est la seule exception à cette règle. J'ai su, dès notre première rencontre, à qui j'avais affaire. À des égaux. ONG, Franck, tous les autres, on est carrément des âmes sœurs. Les gens voient pas les chefs d'entreprise comme des créateurs. Mais putain, c'est vraiment une grosse erreur. Tu vois, on partage la même vision des choses et du monde. Bordel de merde, je peux même comprendre Gold. Pour réussir dans l'armée évidemment. Comme dans le business, il faut écraser excellent, complètement son adversaire. Le soumettre à ta volonté. Moi, je possède cette volonté implacable de briser toute réticence. On peut pas nier. C'est comme... merde. Imagine une porte. Et si elle est fermée, les gens vont vouloir l'ouvrir, pas vrai? Mais pour moi, cette porte scellée... Je l'ai déjà fait sauter de ces putains de cons. J'ai même pas vérifié si elle était fermée. Ah, tu veux une autre qualité? Je fais la fête comme personne. Quand j'ai compris qu'on pouvait faire la fête toute une éternité sur cette île. C'est vrai, j'étais genre... C'est fascinant. Tu veux que je supplie? Merci. Parce que si t'as pas vu une de mes soirées, alors t'as jamais fait la fête. C'est inimaginable. Le seul interdit, c'est le bon goût. Et contrairement au monde extérieur, pas de risque d'action en justice après coup. Franchement, ma vie avant était déjà parfaite. Mais Black Reef, c'est un truc. C'est absolument tout ce que j'ai toujours mérité. Puissance 10. T'en penses quoi? Ça t'intéresse toujours, mon putain d'emploi du temps? Juliana, oh, merde que... Encore? Quand j'ai eu ton message pour l'interview, je me suis dit, ah ouais. Ok, ça c'est fait. Il faut écraser complètement son adversaire. Le soumettre à ta volonté. Moi je possède cette volonté implacable de briser toute réticence. On peut pas le nier. C'est comme... merde. Imagine une porte. Et si elle est fermée, les gens vont la ouvrir, pas vrai? Mais pour moi, cette porte scellée... Je l'ai déjà fait sauter de ces putains de... Si elle était fermée.
J'espère que ça vaut le coup, robot. Maître Charlie dit est aussi utile que fourrure sur échiquier. Dit qu'il peut lui faire passer la porte d'Obdam. Génial idée ! Mercenaire sous-qualifié ! Arrête de m'appeler comme ça. Enregistrement fusionné, fin ! Merci, entendre, écoutez. ONG, écoute, j'ai une autre proposition. Tu vois la porte scellée ? Tu veux l'ouvrir, pas vrai ? Je te dirai comment. Viens à ma soirée, donne un témoignage, je te confierai tous mes secrets. Piège, voici ton appât. Ok, deux bits. Écoute-moi. Quand Alexis voudra parler à la radio cet après-midi, tu peux l'interrompre et passer cet enregistrement à la place. Uniquement le mien. Compris ? J'exécute commande chaque boucle jusqu'à nouvelle instruction. Une offre qu'elle ne peut pas refuser. Trop bien. Alexis ne peut pas donner ce qu'elle veut à Wenji. Mais ça ne l'empêchera pas de chasser toute chance de savoir, peu importe le prix. Deux bits lui passera mon invitation à chaque boucle. Bienvenue à la fête, Dr. Evans.